Bonjour, bonjour. Alors que j'allais commencer à regarder le journal d'usine, j'ai des petits échos de nos amis trollers, de nos amis zineurs. On va voir ça tout de suite, hein, à l'occasion d'un lecture de commentaires. On va voir ça tout de suite parce que là, ça m'interloque. À ce qui paraît, il y en a qui ont été virulents et il y a eu des plaintes. Que s'est-il passé? Alors, continue. Non, pas continue. Alors, ce que je vois, c'est que vous continuez toujours à disliker en masse, mais c'est incroyable, vous savez que ça sert à rien, que ça n'apparaît plus sur sur les pages, enfin bon, faites comme bon vous semblez. Commentaire, ouais, c'est ici que je voulais voir le truc. Alors bon, ah il y a 2 heures. Détenez-vous du Safe Moon, quelqu'un qui dit joyeux anniversaire. Ils vont me souhaiter le bon anniversaire tous les jours, c'est incroyable. Bon, ça fait quand même plaisir. Donc on est dans le bon mois, vous pouvez y aller. Alors, SD, ah, le SD, lui aussi, détenez-vous du Safe Moon qui nous commente. Tu travailles pas ou de nuit, gardien de parking, érémiste. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu travailles pas ou de nuit? Ah, attends, si, y a un verbe, il y a un verbe. Il y a un point d'interrogation. Mais c'est le ou qui m'interlogue. Attends, 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 tu peux répéter la question. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous pouvez la question. Tu travailles peu de nuit. Si je fais du travail de nuit, ça? Bah non. Enfin bon. Je cherche même plus à comprendre hein, avec ces trolls là. Ces petits trolls. Alors Antani, c'est un nouveau lit, détenez-vous. Ah bah là, vous êtes lâché hein, sur ce sondage. Et d'ailleurs, on est à combien? Vu qu'il y a plein de. Ah oui, ah oui, non, à 79%. Sur 29 votants. Ah bah j'aurais pas dû faire cette vidéo. Hein. Je crois qu'elle a flopé d'ailleurs. Ouais, pas beaucoup de vues. 57. Vous pouvez faire mieux. Ça vous a pas plu cette histoire de Safe Moon? Bah vous connaissez peut-être pas, c'est une crypto-monnaie. Ouais, j'aurais dû peut-être expliquer plus, en parler plus. Mais c'est une petite crypto, voilà, très similaire aux Zine, où ça parle de projets africains. Et surtout le clou du spectacle, il y avait un truc qui était vraiment, vraiment similaire à croire qu'ils se sont copiés. Enfin, regardez la vidéo, je crois que j'ai énuméré tous les cas similaires. Par contre, je détiens. Bah pourquoi? Attends, pourquoi? Je sais pas, c'est quoi le rapport? Quel est le rapport? Poirf, 45 ans, prolo. Ah, là, il n'y a pas de verbe. Là, je peux dire qu'il n'y a pas de verbe. Là, je peux dire que je comprends rien. Ok, on va mettre OK. On va pas. Surtout RNZ, il tient bien. Hein. Ça fait depuis longtemps qu'il est là. Il n'a pas eu assez de raclés. Apparemment. First. Ah bah GG. On va faire un petit cœur. First lol. Bravo Genou. Bravo. Le marquis toujours au taquet. Avec du bon mot. Oui, on sait ce que c'est qu'un fils, le marquis papa. Très juste. Au taquet. Bon, on va pas commenter ça. Je vous laisse entre amoureux. Le comb. Alors. Ah oui, Vince le survivant sur l'actualité. Ah oui, alors sur Saint-Claude aussi, apparemment. Après ce que je peux voir, vous n'êtes pas très au courant. Alors, qu'est-ce que j'avais mis comme truc? J'aurais dû plutôt mettre est-ce que vous connaissez ces individus? Alors, si vous êtes hypé à 63%, non. Même pas suivi de loin, mais il y en a là quand même. Quand même. 29% qui vont suivre ça. Bah, moi aussi. Vous savez quoi? Moi aussi. Bon, alors, ce combat me rappelle entre Pernell Whitaker et Julio César. Chavez. Ah bon? Bah il est. Bah, il n'a pas encore eu lieu le combat. Bah j'espère. On va dire, je vais dire j'espère. J'espère qu'on aura du beau spectacle. Hein. Alors la propagande. Ah! Voilà, notre sinistre individu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Sur la migration du Safe Moon V2. La propagande pour la fusée V2 des nazis scandaleux. En plus tu dis to the moon. Et alors? Toujours à l'ouest. On parle crypto, le gars il nous ramène ça toujours aux heures les plus sombres de notre histoire. C'est hallucinant. Super, ok. Thanks. Ça c'était pour ma petite météo. Qui a plutôt bien marché, je crois. Elle date de lundi et je crois qu'elle a fait des émules. Je vais vérifier ça. Petite centaine de vues, ouais, incroyable. Oui, c'est vrai qu'on était dans les points bas, elle était très très intéressante. Je crois qu'on a inauguré les 14 dollars.
Ça, et de semaine en semaine, ça a l'air d'aller plus bas. Suite au prochain numéro. Solène, moi, attends de voir, mais franchement. Ah, je ne pense pas que le combat aura lieu. Bah, pourquoi? Pourquoi? Il a déjà eu lieu. Il a eu lieu pour le précédent, alors que tout le monde était. Tout le monde au précédent. Je pense que s'ils sont motivés, s'ils sont chauds, ça va se faire. Surtout qu'il y a beaucoup de sous-sous à se faire. Ça va être très médiatisé. J'aimerais bien. Alors, qu'est-ce que... Pain au lardon. J'aimerais bien que le combat se fasse pour voir si. Ah, si Saint-Claude est chauve. Ah, c'est ça qui t'intéresse. Ok. J'ai pas compris la ref. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il l'est pas et il l'est. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, mais ok, si tu veux. Alors, le païen occidental, il y aura rien. On verra. Ah ben, on verra, je ressortirai les screens là. Je ressortirai les screens pour ceux qui doutaient. Moi, je pense que. Bah, il y a tout intérêt pour les deux protagonistes que ça se fasse. Hein. Ne serait-ce que pour la pour l'image. Parce que s'ils sont chauds, après il y en a un qui se débine, ça va, ouais, ça va gueuler. Ah bah il y en a. Ah, le pain au lard, toujours le même. Il n'y aura pas de combat. Ah, c'est un pipeau de première. Bah je sais pas, c'est un combattant. Je vois pas pourquoi il n'irait pas au casse-pipe. C'est juste un combat, hein. C'est juste. C'est pas. Voilà, y a pas mort d'homme. Évidemment. Alors Dermocool, voilà, nouveau expert en boxe, évidemment, mais il faut laisser les pulpes, le poulpe. Le pulpe, le poulpe. Je vais changer de pseudo, je vais prendre celui-là. Il aime de plus en plus les hommes virils. Ne me prêtez pas des orientations que je ne saurais imaginer. Pain au lardon, tu appelles SC88. Non, et non, c'est moi qui appelle ça. Ça, on va faire un petit cœur parce que ça m'a fait marrer. Alors, RNZ, c'est un sport pour hommes. Papacito et Piu qui jouent à Clash of Clans. Comment ça? C'est quoi la ref? Vous voyez différent. J'ai rien compris. Là, n'importe quoi, les gars. Clash of Clans, c'est rien que pour les bébés. Va plutôt. Voilà. Très très bien. Va plutôt ranger ta chambre et laisser les grands. Très très bien. Avins qui mouche le RNZ, ça. La petite claque. À force de se prendre des claques, peut-être qu'il va y en avoir marre. Hein. Parce que quand même, Vince, il lui met sa petite PLS, c'est trop bon. Alors Tobias, belle heure, coucou mon ami, bonne vidéo, amitié, à bientôt, oui, bisous, bisous. Voilà, hop, joyeux anniversaire. Ah oui, tous les jours, je crois que c'était lui en premier, Ben Parker. Ah, c'était lui. Attendez, je vais. Peut-être ça va aller plus vite de faire comme ça. Ah, je me suis trompé. Oh si, ça va. Merci, on va dire tous les jours. Ça va être le running gag au bout d'un an, le gars il va souhaiter joyeux anniversaire. Ce ne sera pas pour tout de suite. Papicito est à l'hôpital, il a eu un incident. Ah oui, alors suite à ce commentaire, ça je l'avais vu. J'ai regardé effectivement, il y a eu un petit, je sais pas, un truc avec les voitures. On en saura plus, après j'ai pas approfondi le truc, mais j'espère ouais, qu'il va vite se remettre parce que c'est vrai que s'il n'est pas en état, il n'y aura pas de combat, ça c'est sûr. Vince est parti volontaire pour le soigner. Googie Glooga. Qu'est-ce qu'il insinue lui aussi? Encore la même vanne. Vince est survivant de fausse couche. Ah, mais ça doit être. C'est RNZ, ça. C'est RNZ. RNZ? Je suis sûr que c'est lui. Il a sorti la vanne mot pour mot. Aïe, 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 les gars. Vous savez pas vous tenir. Saint-Claude va le fumer. Ah, bah, ça, je sais pas. Moi, je sais pas. Alors, faut que je vois le gabarit des autres. Enfin, des deux. Des deux combattants. Ah, faudrait voir. On va lancer les paris. Je sais pas. Ouais, on va faire peut-être un petit sondage. Qui voyez-vous gagner, remporter le combat? Je sais pas là si vous me dites, je dirais plus Papacito, mais bon. Ça se trouve, il fait une tête de plus que l'autre. Je m'avance un peu vite, moi, je verrai. Virtuellement alors que le combat en physique ne se fera pas, tout ceci n'est que du spectacle. Bah justement, justement. Pour le spectacle, on va nous montrer quelque chose, je pense. Et là, c'est des vieux com. On fera un point là. J'ai plein de trucs en attente du marquis, très pertinent. Mais en tout cas, là, on approche et c'est la fin de vidéo. Alors, je vais aller vite dans l'onglet communauté. C'est ici, je vais mettre très rapidement ou SC88 pour le qui va remporter le combat.
Attends, ah, faut que je retape. Ah, j'ai mal fait le truc. J'aurais dû mettre qui? Qui? Ah, je peux toujours changer. Je sais pas. Non, c'est pas. Et puis voilà. Avant que j'oublie, parce que j'ai oublié plein de trucs comme ça, je me suis dit que à chaque fois, je vais faire la suite, mais une fois que je poste la vidéo, j'oublie de mettre le sondage. En tout cas, là, on est bien. Bon, ben voilà, le petit, comment dire, la petite réponse au cafard et autres. Mais le truc, j'ai pas trouvé le commentaire qu'on m'a cité là sur Facebook. Peut-être c'est sur le compte secondaire. Je vais regarder ça et si ça vaut le coup, je ferai la suite dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.